Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour un test de pédale avec la magnifique Overdrive de chez Wild Custom by BTM que vous voyez en ce moment à l'écran. Pour ce faire, j'utilise cette très belle coronette du luthier Roger Daguet qui est équipée de micros D90 de sa conception. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, la guitare rentre par ici, elle fait ce chemin-là, et actuellement, il y a uniquement le torpedo cab qui est activé pour la simulation de haut-parleur, de type un peu Marshall, et un petit poil de reverb avec la flint de chez Strymon. Donc, ça nous donne ça en son clair, donc on va utiliser comme son de référence. Voilà, je vais activer donc la BT1 qui a le réglage de gain, de volume et de tonalité. Tous les réglages sont à midi actuellement. Une overdrive qui répond très bien à la baisse de volume de la guitare. Voilà, on va monter le gain au taquet pour voir jusqu'où ça monte. On va revenir avec le gain midi, puis voir un peu les variations qu'on va obtenir avec le bouton de tonalité. Donc là, je suis à midi. Voilà, micro grave. Donc on voit un réglage de tonalité qui est utilisable sur toute sa course. Là, je vais revenir à midi. Avec un petit slapback. Toujours un petit retour au son de référence de base. Le micro aigu de la guitare. Maintenant, on va voir ce que ça donne quand on met la BTM, donc cette overdrive, devant la Plex Torsion. Donc, le son clair, c'est ça. Avec la Plex Torsion, ça nous donne ça.
avec la BT Amp en plus de Wild Custom, ça va nous donner ça. Donc une pédale qui peut vous permettre aussi d'étoffer un gain, soit un ampli qui est déjà très saturé, ou alors une distorsion comme la Plextortion. C'était donc l'excellente pédale d'overdrive de Wild Custom by BT Amp. Merci beaucoup à vous les studios. Thank you.